Non, bah du coup, pas de sondage, puisque le match se lance. C'est parti. Alors, Parti, c'est parti. deux ou trois pré-tech? Deux Deux pré-techs, pré-tech? effectivement, pas sur Lenny. Ouais, donc du côté de Zest, ils en mettent deux. Ça va sûrement faire rush l'Ougi avec l'Ossa, avec un relais offensif. De l'autre côté, un sacré en 4 feuilles. C'est quoi, c'est un mode feu ça, non? Attends, il y a tout le monde qui a rush. Oula, oula, attends, ouais, Il il se passe un truc là. Tiens, c'est bizarre du coup, pas de pre-tech sur le Lenny. Non, Lenny, c'est le seul qui a pas de pre-tech dans l'équipe de Zest. Bon, et malheureusement, le Steam qui nous déçoit. Qui n'a pas de Cocult, mais un chat perlipopette. Le Zamora, c'est un Illizael comme bouclier. Sûrement pour les stats haut. Ah, effectivement. Et pour choper le bonus de 15 dommages. Et peut-être même, ça se trouve, il est peut-être en Thanos. Non, il a pas de Thanos. Ouais, c'est un Nozawa. C'est pour ça il a le bonus panneau Illizael. Du coup, est-ce qu'il va faire pop un dragon ou un crapaud? Ok, il commence par un crapaud. Du coup, ça va vraiment jouer full offensif. Ah bah attends, parce que c'est fou l'offensif, les crapauds ils font très très mal, hein. Ça fait très très Oh, mal. favoritisme en plus? Oh la vache. Ah oui, il rigole Et pas le là. relais, directement on a Allez. ce Gina qui arrive. Effectivement, il a sa pre-tech, donc autant qu'il tape, hein, le Ouais, c'est sûr. premier tour. Attends, on peut peut-être même passer dans une vidéo Twitter et on sent que le T1 était vraiment préparé du côté de Zest. C'était vraiment. En vrai, y a moyen qu'ils aient quand même préparé leur truc. Ouais, un minimum. Je pense. Là, Allez, le du T1 côté va du faire sacré, on se vraiment. carapace. Alors là, tu vois, ça a inversé un peu les rôles, tu vois. C'est la Ouais, team avec les deux damage dealers qui recule. Et la c'est team. parce que j'avais dit qu'il pouvait jouer un yop offensif. Parce que bon, certes, à mon avis, il n'y aura pas de coop, mais ils peuvent se permettre de jouer le yop offensif avec le placement du sacré. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le sacré, je comprends pas trop son mode. Il a pas beaucoup des. Alors attention, c'est parti, on a Lugina qui rush, qui utilise, il a encore 14 PA. 14 PA pour taper. La proie qui est placée, 13 PA, et du coup c'est parti. Le Ah oui, c'est comme il est cunitus. haut, il peut se permettre ça. La gangrène, effectivement, on place les 30% d'érosion. On a 32% de résistance sur ce yop. Hein, c'est quand même pas dramatique. Mais derrière, voilà, sur l'érosion, la vertèbre qui proc, on prend quand même Après, là, le quelques Yop, il va pouvoir points. répondre directement. Mais après, on voit le Lenny qui est encadrant de terre. Est-ce que vraiment on a envie de se manger un fracas directement? Je sais pas jusqu'où il pourra s'en aller, le Yop. La double pression, non, une seule pression. Ouais, de la pression à distance pour charger les bennes, je suppose. Je sais pas Ouais. s'il va aller au CAC, parce que. Non, double pression, non, il va pas au CAC. Ah, ben alors pourquoi il a pas mis une pression Ouais, CAC? je comprends pas pourquoi la deuxième était pas au CAC. Bon, tant Ah, pis. ok, il avait déjà la. Il aurait eu juste 2% de dommages en plus sur la fureur, quoi. C'était pas forcément. Ah, ouais, non. Ouais, enfin, c'est surtout pour le 4 en dos, quoi. Enfin, bon, c'est pas une grosse différence de toute façon. Pas Sauf grand si chose. l'objet de survie a un point de vie, il pourra s'en vouloir. Ouais, je pense pas. Alors, est-ce qu'on aura un coup de debuff quand même? Donc, Il manque l'ébène. profite de la zone. On place l'ébène. Ah, et le silence. Le silence qui passe très très En bien. même Bon, temps, ouais, sur 25 d'esquive avec un cadran de terre. Il doit avoir à peu près 80 de retrait vu qu'il n'est pas en familier. Ou oh, peut-être même pas en vrai. Ouais, si. Il doit avoir un trophée, quoi. alors, bon, du côté du steamer, on va probablement avoir le secourisme, le double secourisme, le tour classique T2 de steamer. Placer son Il ébène, pourrait par contre. placer son ébène, hein, avec une double flamiche. Ça, c'est un scénario qu'on aime bien avoir en steamer, mais est-ce qu'il va pas placer un chalut ou un truc pour embêter l'Ougi ou une assistance, ouais. Ouais, l'assistance ramener l'Iop, effectivement. Du coup, on a un crapaud qui va être totalement useless là-bas au fond de la map. Bon, ça va vite de faire rush ses invoques maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Là, le crapaud, il est favoritisme. Mais de toute façon, tant mieux qu'il reste fond de map, le crapaud, parce que favoritisme, c'est un sort qui se charge. Du coup, plus le temps passe, plus il va taper fort, si je me souviens bien. Il me semble qu'il chope 15% de dommages par tour, pendant 5 tours à peu près. Ouais, mais il faut quand même qu'il revienne à un moment, quoi. Ouais, Là, mais bon, s'il arrive T3 ou T4, il sera vraiment bien chargé et il est il va mettre des vraies patates, quoi. effectivement, c'est parti. Là, le dragonnet, le crapaud vert. C'est pas crapaud vert, comment ça s'appelle celui-là? Crapaud verdoyant, pardon, Verdoyant. verdoyant. Et derrière, il prend les zones, très belles zones avec le sacré, le yop et le batiscaf. Le sacré qui a pris un seul coup. Parce qu'il faut changer de cible à chaque fois, c'est un seul par tour par cible, ce crapaud. Mais ouais, du coup, le Yop qui commence déjà à pas mal tomber en érosion, hein. Il a déjà plus que 4, même pas 4000 HP max, 3900.
Le sacrifice, ouais, sacrifice qui tombe. Seulement sur exactement. Le Yop. On a peur de ce gros tour de Lugi. C'est bizarre. Ouais, et puis... Le Lugi peut toujours vertèbre. Oh, une baguette tic. Je disais bien qu'il était bizarre, son mode. 263 baguette. Aïe. Aïe, ça pique. Attends, coup, comment tu l'as fait, la baguette pas sur l'érosion, puisqu'on n'a pas, pas eu de debuff de la part de Lenny, donc Luginac aura encore l'érosion autour du Yop. Donc si jamais il s'approche trop pour aller taper ce Yop, derrière il y a le. Bah, y a la après, là, qui est chargé. Une zone tibia, est-ce que le sacri peut pas tomber genre ultra rapidement là? Ah, c'est vrai que là il y a une belle zone. Les arcanins. Il prend la zone. Ah, bien joué ça. Ah, par contre, s'il fait ça, il passe en bête, s'il met la deuxième. Ça tape du mi. Ah, ouais, c'est rentable, je pense. Hein. C'est rentable. Et la vertèbre. Ah non, il met la vertèbre. Il se passe son ébène. Il reste deux. Non, il lui reste deux, il peut pas. Ok, donc il est pas taclé par le Steam, c'est bien. Et le Yop. Et après, ça servait pas à grand chose cette poursuite, puisqu'il se fait quand même choper par le Yop qui utilise juste CP1. Non, ouais. Après, remarque, ceci dit, ça l'approche de l'Osa et de Lenny. Et surtout, ça le Yop. Ça le met en ligne pour Lenny. En ligne de là, attention au comment ça s'appelle au crapaud verdoyant, parce que là si l'Osa peut choper une zone, le sacri il est sûrement mort. Ouais, le sacri il est... Ah oui, il est sacrifice effectivement, il va prendre ouais, ouais. Et du coup c'est parti, le Logitech va prendre très cher, il lui reste l'érosion du coup du tour précédent et la fleur qui tombe derrière 540. Bon, on a quand même un Logitech qui a ses stacks de rage, donc il est plutôt tanky. Ok, 3 PA pour tuer l'épée, c'est parfait. Il va pouvoir debuff l'érosion, je pense. Voilà, ouais, cette fois. Parce que ça a été replacé par le Yop, donc autant là. Non, il a pas prochain PA. Prochain tour, faudrait qu'il replace les PA. Ça m'étonne. Ah non, c'est bien les PA du relais, faut qu'il les replace tout de suite. Ouais. Voilà, okay, donc, bien. Lugi qui revient en 15 PA. PM sur l'Osa. Ouais. Lenny qui avait pas vraiment d'ébène à mettre. Ouais, ça prend la zone avec le Yop. Bon. Et l'Osa qui est poussé vers le haut. Il me semble que le crapaud verdoyant, il peut faire une poussée sur l'ennemi. Du coup, si ça se trouve, il va peut-être... Ok. Bon, bah, ouais. Il va rien faire du tout, du coup. Justement, on vire les zones le plus possible. Ouais, on peut pas faire de zone à ce crapaud. Ok. Il va stacker les dégâts et les poisons, enfin les ébènes en tout cas, sur le Jinak. Ok, il place une gardienne, c'est pas mal. C'est dommage de pas pouvoir lui mettre de... C'est le pâtre à Lugi parce que ça aurait enlevé pas mal de dégâts avec les vertèbres et les ébènes qui passent. Non. Non, du côté de l'Ozard, ouais, du coup, ce crapaud vert. Il va sûrement reposer l'autre crapaud qui était en train de se charger en bas, non? Ah non, même pas, toujours pas, on le garde. Ah, on fait les dégâts. Hein. Mais par contre, ouais, là ça va taper. Hein. Ah ouais, ça prend des dégâts. Ouais, et puis surtout le bâti qui est sur le point de. Non, ouais, il y a encore quand même quelques dégâts. Oui, mais effectivement, ça tape bien, 440. Ah, 400, hein, ça descend vite. Est-ce qu'il a quelque chose à faire, le crapaud? Non, je crois que son sort APO... Ah si, il y va. Ah, je sais pas si c'est vraiment rentable, ouais, ça. C'est pas fou. Hein. C'est pas fou comme dégâts. Ouais. Aïe, 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 les vertèbres qui tombent, et du coup, un sacré qui se retrouve à 1200 PV seulement. Ouais, ça descend vite, hein. Le petit coup de baguette qui va partir, sûrement, encore une fois. Mais bon, il n'y a plus d'érosion là, il n'y a plus d'érosion sur le net, donc c'est moins grave. Mais bon, il a plus tant de vixen en vrai, hein. Ça descend très vite. Là, il va sûrement se muter en fin de tour maintenant. Est-ce qu'il a déjà lancé le pacte? Ah, Pilori, ouais, bah c'est très bien. Et oui, il avait déjà lancé le pacte du coup. Et 742, du coup, le Gina qui tombe à 1700 PV. Ouais, férocité qui est lancée, il faudra faire un petit pistage. Il peut pistage. Ah non, on se permet de rester à proximité du. Ça, le truc, c'est qu'il faut pas qu'il s'éloigne trop du Yop. Enfin, faut pas qu'il. Et qu'il s'approche trop. Qu'il s'approche trop du Yop, mais en même temps, faut pas qu'il s'éloigne trop pour pouvoir taper et mettre sa vertèbre. Non, c'est pas mal ce qu'il fait là, parce qu'il maintient la pression sur le Yop. Du coup, le Yop, s'il avance, il est pas safe quoi. Après, il peut encore Vita, hein. C'est un Yop, il n'a pas utilisé Vita. Ouais, mais bon, quand on voit les dégâts de l'Osa, on n'a pas forcément envie de trop s'approcher, quoi. Pas fou, derrière, on va venir essayer de tomber. Bon, on n'est toujours pas non, on faut pas ce qu'on tue. Fureur, précis, ça tue. Bah, même pas besoin de précis, il a encore 2 PA. Ah oui, il a encore 2 PA. Alors, moi, je le vois encore en 2, ouais. Ouais, c'est bon. Et du coup, ça kill Luginac.
Aïe. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir rattraper le coup rapidement du côté de Zest? Je suis pas sûr. Oui, de Zest. J'ai cru que j'ai confondu, mais non, ça Alors, va. en fait, Ok. bah, c'est plutôt bien vu, puisque c'était le tour où le Sacri devait remettre ses boucliers, ses PA, non? Il me semble, ouais, le Yop a plus les PA et en plus de ça. Ah oui, mais il est toujours sacrifice pour l'instant, ah oui, c'est vrai. Ce que j'allais dire, c'est peut-être le moment où le Yop tombe, mais bah pas tout de suite du coup. Attention, est-ce que le Sacri a 1600 J'ai... PV avec les Ça marche crapauds? comment la perte du pacte de sang? Genre le moment où il perd le pacte, il perd combien d'HP? Parce que. Ça dépend si tu Avec le combats. bug, j'avoue que. Ça dépend le fonctionnement. Ah, ok, bien vu le chalutier pour essayer de tacler un peu ce crapaud. Il est en quel état là Je vois pas. Il est en crapaud charge 3 sur 4. Ouais, bah il peut faire un. Enfin, ça lui coûte 4 PA de se détacler là, Alossa. Soit il fait un souffle du dragon sur son crapaud, soit il fait corbeau cravache. Dans les deux cas, ça lui coûte pas très très cher de se détacler. Enfin, 4 PA quoi. Donc il y a l'assistance qui est replacée sur Ouais, il y le. a encore des zones pour que le crapaud puisse taper. Le sacré tombe, hein, je pense. Ouais, mais attends, est-ce que le crapaud va pouvoir y aller? C'est. Bah logiquement il doit pouvoir le replacer quelque part genre là. Ah pas con, en plus il peut gambader dessus, ouais c'est parfait ça. Hein. L'Ouginac. Parce que du coup ce que ça fait c'est que ça remet les ébènes. Les Comme il ébènes, avait ouais. invoqué. Les vertèbres, oui. Il est en état proie. Vertèbres, maintenant qu'elles sont plus débuffables, ça doit les laisser sur le Yop, effectivement. Il est en état proie et je pense qu'il doit le Yop de toujours les avoir. Ouais, par contre l'état proie qui a été perdu, ce qui est logique, mais. Ouais, mais les vertèbres, du coup, effectivement, restent. Parce qu'en fait, c'est le moment où tu places la vertèbre qui compte pour savoir si elle est debuffée, Du du coup, coup. il va y avoir un sacré avantage qui va être pris là, hein, du côté de Zest. Parce que le Sacri est très certainement mort, sans aucun doute. À moins qu'il joue en argenté scintillant, on n'a pas vérifié, mais ça m'étonnerait. PV. Malheureusement, je pense que. Bah, Ouais, regarde. c'est bon, quoi qu'il arrive. Même pas besoin, il décède. Ouais. Et là, on voit que le crapaud qui se fait charger depuis tout à l'heure, là, il commence à attaquer. Ouais, c'est un peu vénère. Ouais. Ouais. Bati qui a déjà plus que 1000 HP, alors qu'il s'est même pas pris de coup enfin un seul coup du crapaud verdoyant, si je dis pas de bêtises. Lugina qui en 7-3 et en panneau bouffe tout. Ouais, mais bon. Le Lugina qui est juste une machine à destruction de. Enfin, à poison surtout. Parce que là, c'est vrai que juste avec la réinvo, le Yop il prend cher. Hein. Il a une vertèbre et zéro ébène par contre. Mais bon, une vertèbre c'est déjà ça. Il a pris 500, à peu près 500 de dégâts au début de son tour, le Yop. Ouais. Il a pas de Vita, donc il peut toujours se Vita, mais malheureusement, faut pas qu'il Vita, faut qu'il maintienne la pression. Là. Enfin... Ouais, ils ont pas vraiment le choix. Enfin, il peut peut-être genre. Alors il tue simplement, il tue les invos. Non, non, ok, il va prendre la zone marteau. Non. Ouais, bon, un peu, mais pas de ouf. Il va sûrement quoi? Double concentre? Ah non, pression? Ah, ça pose de l'euro cette fois. Ah oui, mais il doit recharger la fureur, c'est vrai. Non, ouais, du coup, pas de zone. pas de zone, ok. La fureur, Ok, 2500. ouais, mais là, l'ennemi qui va pouvoir commencer à rentabiliser vraiment son bon vieux cadran de terre. Et les PA qui sont mis sur le l'Ossa et pas sur le Lugi, on ne s'occupe pas d'un futur mort. Ah. Ok, ça va. La ligne de vue bien trouvée sur la sur le bâti. Ah ouais, c'est. C'est vrai que c'est pas mal en vrai, ça fait un bon combo Ossa Ouji parce que même si ton Ouji meurt avec la réinvo, c'est Bah, vrai effectivement, il peut rester avec les vertèbres. Hein. que. Ouais. Je pense que Ah, là, ils n'ont vraiment pas eu de chance. Enfin, Shannon a pas eu de chance sur son retrait parce que 25 d'esquive, il enlève que 2 PA. ouais, bah, au premier tour, il en a enlevé 4. Hein. Deuxième tour, je sais plus. Mais 4, hein, sur le Yop. Ouais, T2, il avait mis un petit. Le petit silence. Du coup, il est en 6 sur 7 au niveau du retrait. Le steamer qui a encore une fois plus de bâti, qui se les fait clean avant même de pouvoir l'évo. C'est limite le moment de passer en évo gardienne. Hein. Bah, c'est vrai qu'il fasse. Ah, est-ce qu'il a une vue sur celle-là? Non, il l'a pas. Non, 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 mais il aurait pu limite assistance parce que. Ouais, remarque, quoi qu'il arrive, ça soigne le Yop, pas très rentable. Il l'a fait au tour d'avant sur le top. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je croyais que c'était Alors, un tour encore avant. Tiens, bah, on va le Lossa qui rentabilise bien. En sur le Zamonas. fait, c'est super intéressant le. Le. Comment ça s'appelle? Ah, Le il n'y a pas bouclier Lisa, parce que du coup il peut. un Yop qui décède. Là ça aurait été difficile de placer la l'onde aquatique s'il avait été en Stalak. Et du coup le bouclier Lisa qui aide carrément. On prend le sceptre roi joueur pas très intéressant. 700 Ouais, PV. il a Lugi qui va tuer l'Yop, hein, tout simplement. Lugi, voilà. Bon, il a que 6 PA parce que il en résume, mais ça Mais bon, suffit. 6 PA ça suffit. Et du coup, il meurt. Pourquoi il meurt?
Bah parce que c'était une réinvo. Ah oui, c'est bah oui, c'est vrai que la laisse maintenant, elle dure. Ouais, elle ne dure plus que deux tours. Effectivement. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match. Bien joué cette équipe de Zez du coup qui remporte la partie. Ah ouais, c'est fou. Hein. Après, ça te fait prendre le kill en Attends, premier. Ils se sont retrouvés en 2v3 et la réinvo de Luigi qui a bien carry.